D'abord, à quel endroit? Je suis allé au Chili. On est allé faire une tournée, on est allé au mois de septembre. Puis ça, écoute-moi, ça a été exceptionnel. Je veux dire, principalement, de se retrouver. Là, il faut s'entendre, c'est vraiment unique, hein, parce qu'on se retrouve dans des conditions de neige en été. Ça, juste ça, je pense que ça a dépaysé. Tu sais, ils ont complètement dépaysé. Puis le fait de revenir ici, d'être sur le gazon, de savoir que tu as 2 mois à attendre avant de skier, ça, c'est encore plus extraordinaire. Ça, moi, c'est surtout le tout inclus, comment ça a été managé, que j'ai trouvé ça bien le fun. Tu sais, c'est comme trouble-free. Tu sais, on est rendu dans le sud du Chili, les billets de train, tout le matériel. On a beau essayer de calculer nos coûts, on regardait ça, pour savoir si ça aurait été plus économique tout seul. Puis en fin de compte, je vais dire en affaire, la qualité de qu'est-ce qu'on avait. On avait des chefs le soir, un chef, un sous-chef, 2 personnes pour nous servir. Le matin, les déjeuners, moi, j'ai pas à me plaindre. Okay. Le fait d'avoir choisi un voyagiste comme Gendron, en quoi ça a fait la différence? Sur moi, c'est la simplicité d'esprit, puis un peu un contrôle de qualité de qu'est-ce qu'on allait avoir. C'était à la hauteur de nos attentes et plus, en fin de compte. Parce que moi, c'était mon premier voyage, je vais dire, comme tel, organisé de cette façon-là. Parce que d'habitude, j'avais l'habitude d'organiser mes propres voyages. C'est là de vraiment prendre un grossiste comme lui, d'organiser un package. Là, c'était une bonne expérience. Puis c'est le fun parce qu'on était avec d'autres gens qui ont déjà profité de l'expérience avant nous. Puis c'est ça qu'eux autres même exprimaient à quel point que c'était avantageux financièrement. Puis souvent, on t'inquiète sur cette question-là. Ça, c'était vraiment là-dessus. Là, on a été convaincus que ça valait la peine d'être pris en main. Et on leur ferait d'avoir la guerre. Ah oui. C'est beau.